Errant au parc de Bercy, lundi le 29 mai 2023. Là-bas.
Aéron. Juste là. Vous voulez dessiner après? Comment? Moi, je vais dessiner. Ah. Excusez-moi, j'ai une question. Vous êtes française, madame. Vous êtes française? Dans 5 minutes, je vous pose le film. Oui, mais...
ça va aller. Il est beau, hein? Oui, oui. Il est beau quand il vole, qu'il s'envole. Parce que là, il est. Ben moi, je veux pas qu'il s'envole tout de suite, hein? Moi, je veux pas qu'il s'envole tout de suite. Je veux le filmer avant. Vous le retravaillez comme photo avec le Photoshop? Non, non. Ah, vous me laissez pas du tout. Pas du tout. Tous les gens. Ce que j'aime, c'est prendre des vidéos. Travaillent. J'avais des amis sur les réseaux sociaux qui m'ont envoyé leurs photos. Refait avec le Photoshop. Non, moi je fais pas du tout Photoshop. Moi je prends des photos, si elles sont belles, si elles sont réussies. C'est très rare que je réussisse mes photos. Mais là, les filmer, j'adore filmer ces oiseaux-là, moi. Puis c'est très difficile aussi de les prendre en plein. Il a quelque chose clandestine. Il y a la belle vie, hein. Il y a la belle vie, lui. Lui ou elle, on sait pas, mais. Il y a deux, hein. Vous savez, ici dans le parc, il y avait toujours deux. Mais moi, je sais pas. Parce que moi, j'avais l'habitude d'aller au Buttes-Chaumont pour le filmer, oui. Pour les filmer, mais il n'y en a plus. Ah, oui. Depuis à peu près, je ne sais pas, oui. Trois semaines, un mois, il y en a de moins en moins. Là, il n'y en a plus du tout, je pense. Mais je ne vous dis pas qu'ils sont beaux, hein. Il est beau, hein? Puis en plus, il y a plein de nature ici. Il y a beaucoup de tortues, j'ai vu beaucoup de tortues, des grosses oui, tortues. Ils ont remis là. Les tortues. Ah, ils ont remis ils les tortues. Ils ont remis parce qu'il faisait trop froid. Mais je ne sais pas comment ils font pour... C'est un reptile, c'est donc c'est facile à attraper peut-être justement les tortues. Oui. Mais les hérons, je ne sais pas comment ils font les hérons. Hein. Je pense qu'ils passent leur vie dehors. Hein. Allez, on va lui trouver un nom. Oui, il est chic. Ah, il est beau, regardez ça. Ah, regardez ça. Il a des belles couleurs. Ah oui, il est beau, beau, beau. C'est comme des vipres presque. Mais c'est beau ici au parc de Percé. Quand la Gaffel, il aurait fait un... C'est comme les plumes dans des vêtements de Karl Lagerfeld. Parce qu'il a travaillé sur des vêtements avec des plumes. Mais oui. Et ça fait marrant dans ce parc. Ça fait très marrant. Ah, ça fait beau. Ah, je vous dis pas. C'est un petit peu un paradis. Mais je sais pas si lui, il chasse beaucoup. Il doit vivre ici. Il doit être ici tout le temps. Moi, je suis une Allemande. Pentecôte, qu'est-ce que les Français font? Nous, normalement, on fait des excursions. On prend un bateau sur un fleuve. On fête un peu avec les vents. Avec le vent. Les Français n'y connaissent pas ça, à Pentecôte. Ah, oh, la Pentecôte, vous voulez dire oui. La fête de la Pentecôte. Oui. Ah oui. Est-ce que le Français, il aime faire la fête sur un bateau, il voyage? Ben, je pense que oui. Mais oui. Je pense que oui, aussi, non? Oui. Ben oui, ça doit. Parce que il faut aller plus au sud. Je suis un bisschen heimweh, homesick. Homesick. C'est comment on dit en français? Ben, en français, on a le mal du pays. Le mal? Le mal du pays. Du pays, voilà. Oui, homesick. Ça. Et du coup, homesick. Il me manque beaucoup de choses que j'avais en Allemagne qui étaient très chouettes. Ouais. Et ça s'est perdu un peu. Vous aviez plus de nature en Allemagne? Non, c'est pas ça, mais on était plus
plus festive, on dirait festive. Ah oui, surtout au mois d'octobre. Hein. Surtout au mois d'octobre, octobre, hein, c'est Oktoberfest à l'année en Allemagne. Ah ouais. Déjà, le français n'arrive pas de boire l'alcool comme nous, les Allemands. Nous, on boit beaucoup. Le français n'a pas la condition de boire beaucoup. Ça, j'ai remarqué. Regardez comme c'est beau. Mais il se cache parce qu'il y a beaucoup de vent. Et c'est pour ça qu'il se cache là-dedans, parce que c'est le vent. Ouais. Mais je pense qu'ils font ça l'année, hein? Ouais. C'est pas juste la journée où il y a du vent, je pense que... Moi, j'étais souvent le parc Monceau, j'avais un câlin. Puis le parc Monceau? J'avais un chien et j'étais plutôt le parc Monceau. Puis le parc Monceau, il y avait aussi des hérons ou pas? Pardon? Des hérons, des oiseaux, des hérons. Hérons, birds... Non, là-bas, non. Il n'y en a pas? Non. Vous en avez vu? Pour les enfants. Des ponies, d'accord. Je ne sais pas si eux, ils font ça encore. Et sinon, il y a un peu plus de fleurs. Il y en a plus de fleurs. Regardez, la bouche ouverte. Il a chaud. Il a déjà chaud. Ouais. Déjà chaud. Vous pensez cet été quand il va faire la canicule. Et c'était le paradis des câlins, le parc Monceau. Tous les propriétaires des parcs Monceau, ils étaient là-bas. Le paradis des câlins. Ah, mais c'est dans le quartier. Mais attendez, les câlins, vous voulez dire que les câlins entre animaux ou bien entre humains? Ils étaient maîtres des câlins et ils étaient tous là-bas. Mais ouais. C'est quoi ce des maîtres des câlins? Hein? Entre les humains ou bien entre les oiseaux, les animaux, je veux dire les chiens et tout ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je voulais dire que le parc Monceau est un parc très chic de la noblesse. Et que beaucoup des gens du quartier qui possèdent un câlin, ils promenaient le câlin dans cette parc. Regardez sa bouche ouverte. Regardez ça comme il a chaud. Oui. C'est très... Parce c'est bizarre, j'ai jamais vu ça. Vous savez, le 17e arrondissement est super chic. Aussi le 8e. Moi, je vivais que là-bas. Ah, OK. Oui. Regardez-le. Oui. Ah, regardez sa bouche, regardez! Ah oui, oui, il a j'ai jamais vu ça! Il s'est mis dans une autre position. Il a changé hein, la place. Hein. Regardez sa langue, je ne sais pas s'il est mal ou... Ah, c'est vois, tout il, rouge! Il a envie de manger un animal. Je ne sais pas si c'est parce qu'il a bien, chaud. Hein. Dès qu'il quoi? Dès qu'il voit un animal, il se... Ah oui, ils sont des... comme pour prendre sa proie. Là-dessus. Ouais. Ah, ce qu'il est comique avec sa bouche ouverte, lui. Moi, j'en ai un peu marre du soleil. Ah, moi, j'ai peur du soleil. Moi, je me cache. Et, oui, cette année, c'est un peu plus difficile à supporter le pollen. Très, là. Ouais, c'est plus difficile pour un tas de gens. Oui, c'est pas le printemps. Et je crois pas que ça va changer, au contraire. Non, non, ça changera pas. Hein. Je crois qu'il y a encore plus de vent. Oui, oui. Il va dessécher. Dans un mois ou deux, on va souffrir. Hein? On va souffrir. On va crever. Hein? On va tous crever le même jour, la journée du début de la canicule. La Troisième Guerre mondiale. Ah oui, la canicule, ça va être la Troisième Guerre mondiale. Il n'y a personne soeur, qui va... Ma sœur, elle vit en Floride, à Miami. Elle a déjà 24 le mois de mars. Maintenant, au mois de mai, elle doit avoir 30 degrés. Hein. Mais déjà aussi dans les pays d'Afrique, il fait déjà chaud. Regardez-là, sa bouche il ouverte, regarde, lui. Hein? Il vous regarde. Ben, il regarde, je ne sais pas où est-ce qu'il regarde, il mais... Il est très photogénique. Ah, ben oui. Eux, hein, ils n'ont pas besoin de Photoshop, hein. Regardez-le. Mais qu'est-ce que c'est, cette bouche ouverte-là? Je ne sais pas s'il a mal quelque part ou quoi. Ou si c'est parce qu'il a chaud. Je ne sais pas trop ce qu'il a, c'est...
C'est comique de voir ça. Excusez-moi, une question. Est-ce que tout est fermé aujourd'hui ou est-ce que vous pouvez... Je crois qu'il y a beaucoup de magasins qui sont fermés. H&M, il est fermé. Mais je ne sais pas. H&M, les oui, vêtements, parce là que j'ai je ne sais pas. Shorty, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. En shorty, moi, je ne fais pas beaucoup de magasinage. Je ne fais pas, je fais pas beaucoup de shopping. Je ne fais plus en shorty. Ben, je ne sais pas si c'est ouvert. Ah, je vais regarder. Ah, il est magnifique. Hein? Il est magnifique. Il est magnifique. Ah oui, mais c'est pas incroyable. Mais t'es beau, t'es beau, t'es beau. En plus, il y a un bon vent, hein? On est bien. Nous aussi, on est bien. En Californie, vous avez le flamenco. La flamenco. En Floride. Oh, il y en a aussi à la ménagerie, du jardin des plantes. Des il y en a plein, des flamingos. Ils ont des animaux incroyables. Il y a des crocodiles. Oh, moi, ça me fait peur, ça, ouais, des crocodiles. Moi, je n'irai pas près d'un crocodile. Ils ont plein des oiseaux. Je ne sais pas, une centaine de différents oiseaux. Ils ont un parc national. Ils ont fermé les animaux maintenant dans un parc. Parce que moi, j'étais en Marco Island. C'était magnifique, cette île, Marco Island. Ouais. Une belle plage, très long. Ouais. Et pour pêcher, il y avait beaucoup des poissons pour pêcher. On a fait un grill, un barbecue, stand-by avec les ponchons, avec ma soeur, c'était magnifique. Ouais. Avec un Belge qui nous a prêté le bateau pour faire ça la pêche. Le Belge, il s'appelait Hercule Poirot. Le Belge? Ah non, je trouve les Belges très sympas. Je n'avais jamais Bah oui, ils sont sympathiques. Un truc négatif, les Belges sont très cultivés. Ils sont différents des Français. Moi j'avais des Belges comme amis aussi à Versailles. J'avais une femme, une Belge. Ouais. Je l'ai beaucoup aimée. Ouais. Ouais, il tourne sa tête. Dommage qu'il ne bouge pas plus. Hein. Moi ça me va, hein, pour le filmer ça va Vous très bien. Vous pouvez faire aussi un film. Oui, oui, je suis en train de faire une vidéo, là. Vous pouvez le filmer. Mais là, il se repose. Ben moi, moi, c'est parfait pour filmer. Hein. Il ne bouge pas trop, c'est parfait. Hein. Regardez sa bouche ouverte. Avec cette tempête. Hier, c'était pire. Quelle tempête? Une tempête? Oh là là, c'est quoi vous voulez dire? Le vent. Ah. Je me suis mis au château toute l'après-midi. Je ne pouvais plus rester au soleil. Regardez, je dois m'acheter une pompe, des couleurs dans une pompe pour dessiner. Il faut que je regarde là-haut chez Shiba, mais je crois qu'ils ont fermé. C'est Pentecôte, ils ont fermé. Hein. Officiellement, c'est des holidays, c'est un férié. Ouais. Oh, il est trop sympa. Pas de Bercy, non. Pardon? Vous n'êtes pas de Bercy. Vous n'êtes pas de Bercy. Vous êtes ici. De Bercy? Oui, vous êtes ici. Thank you.
Thank you.